Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des diapositives animées avec, entre autres, l'option Zoom ainsi que l'option Hypertexte. Le résultat final sera le suivant. Je me mets en mode diaporama en cliquant sur cette petite icône. Je sors du mode présentateur. Et si je clique sur cette petite flèche, je peux faire défiler mes diapositives. À tout moment, je peux bien sûr avoir un aperçu zoom sur cette diapositive. En cliquant une seconde fois, je reviens en mode initial. Je continue ma démonstration. Je peux reculer et revenir sur une diapositive précédente et cliquer sur cette diapositive afin de venir en mode zoom. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de vous expliquer comment je suis arrivé à ce résultat. Au préalable, préparez différentes slides pour votre diaporama. Par exemple, celui-ci, j'ai ajouté une image spécifique et j'ai ajouté du texte. Pour les autres slides, j'ai ajouté bien sûr d'autres images et j'ai ajouté aussi à chaque slide des graphiques sur les ventes de chaque véhicule. Alors bon, je me suis aidé d'Excel. Je vais vous en faire la démonstration. Donc si je prends une feuille Excel avec des chiffres et des mois, je sélectionne ces données, je vais dans Insertion et ici, par exemple, je vais prendre Histogramme. Je vais bien sûr aménager cet histogramme. Je vais retirer les mois, retirer les valeurs qui sont ici et retirer le titre. J'ajoute des étiquettes de données afin d'avoir des données chiffrées. Ici, je vais rendre transparent mon graphique en sélectionnant ce graphique, en allant dans mise en forme et ici remplissage, aucun remplissage. Donc vous donnerez bien sûr les couleurs de votre choix. Par exemple ici, vous allez dans création, vous pourriez éventuellement prendre des styles déjà existants. Alors par la suite, je vais faire un copier, CTRL-C, aller dans mon diaporama et ici par exemple dans cette diapositive coller. Donc comme on peut le voir, mon graphique est totalement transparent. Donc je supprime ce graphique et je reviens à la première diapositive. Dans un premier temps, mettez-vous sur la première diapositive, allez dans Transition et assurez-vous que la transition morphose soit cochée. Par la suite, allez dans Insertion et cliquez sur Zoom, Zoom de diapositive. Sélectionnez toutes les diapositives, exception faite de la première. Cliquez sur Insérer. Je vais retirer à présent les différents contours de mes slides. Pour cela, je vais cliquer sur Zoom et ici, bordure de zoom sans contour. Je vais me mettre un repère afin d'aligner au mieux mes diapositives en allant dans Affichage et cocher Repère. Donc, je vais aligner en dézoomant un petit peu ma diapositive, toutes ces diapositives. Je vais essayer de les aligner au mieux. Donc de toute manière, nous allons pouvoir nous aider d'une option. Donc je vais mettre la deuxième diapositive ici, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc je vais sélectionner toutes mes diapositives avec la touche CTRL. Je laisse mon doigt foncé sur la touche CTRL, aller dans Zoom, aligner en haut et aligner distribué horizontalement. Je vais profiter que mes diapositives soient toutes sélectionnées pour les grouper. Je vais donc reculer légèrement mes diapositives. Je vais dézoomer un petit peu afin d'avoir un aperçu plus régulier et je vais me servir de mes repères afin d'aligner plus ou moins au milieu la première diapositive. Cochons à présent une option en cliquant sur chaque diapositive, donc la première,
en allant dans Zoom et ici cocher retour à la diapositive précédente. Malheureusement, je ne peux pas le faire d'un seul bloc, je dois sélectionner chaque diapositive et cocher cette option, l'avant-dernière diapositive et la dernière diapositive. Nous allons créer à présent une réflexion pour chaque diapositive. Donc je coche, je sélectionne la première diapositive, je vais aller dans Zoom et là, effet réflexion, je vais choisir cette option, la première. Pour la deuxième, je fais la même chose, réflexion, la troisième, la quatrième et la cinquième diapositive. Cela donnera un reflet sympa sur l'eau de la première diapositive. Nous allons créer à présent deux icônes nous permettant de nous déplacer d'une diapositive à une autre. Je vais aller dans Insertion, ici Icône, je vais choisir pourquoi pas Voiture. Je vais prendre celle-ci, Insérer, je vais la déplacer, je vais plutôt la mettre ici. Je vais changer de couleur, format de graphique et ici je vais prendre Blanc, Contour Blanc. Je vais à présent aller dans Insertion, ici Action, cocher Créer un lien hypertexte vers diapositive suivante. Je clique sur OK. Je vais faire un copier-coller de cette icône en cliquant sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncer et je déplace. Je vais inverser le sens de ce véhicule en allant dans Format de graphique, ici Rotation, Retourner horizontalement. Je vais sortir avec la touche directionnelle ce véhicule en dehors de la slide et ici aller dans toujours Insertion, Action, toujours Créer un lien hypertexte, mais cette fois-ci diapositive précédente. Je clique sur OK. Je dois à présent dupliquer la première diapositive, je la sélectionne, je clique droit et j'opte pour dupliquer la diapositive. J'ai une deuxième diapositive. Je vais déplacer le groupe. Donc je vais le sélectionner. Et avec ma touche directionnelle pour rester bien droit, je déplace sur la deuxième diapositive pour arriver avec mes repères jusqu'au milieu de la diapositive. Voyons ce que cela donne en allant dans Transition et ici Aperçu sur la deuxième diapositive. Cela se déplace bien. Toujours dans la deuxième diapositive, je souhaiterais que le deuxième véhicule apparaisse à peu près sur, à côté en tout cas du premier véhicule. Donc je vais le prendre et le déplacer ici. Si je fais un aperçu, transition, aperçu, le véhicule se déplace bien. L'opération pour chaque diapositive doit être dupliquée. Donc je prends la deuxième, clique droit. Dupliquer, je suis sur la troisième, je prends mon groupe et je déplace par rapport au repère la troisième diapositive. J'arrive au milieu. Je duplique encore une fois, dupliquer, quatrième diapositive et je recommence le scénario. Je me mets sur la quatrième diapositive. J'essaie de me mettre au milieu et une dernière fois, dupliquer et je vais mettre à présent la dernière diapositive au milieu. Testons tout cela en mode présentation. Donc je reviens dans la première diapositive, je vais me mettre en mode diaporama et je vais tester tout cela. Donc là j'avance bien, le deuxième véhicule apparaît bien. J'avance encore un petit peu. Si je veux zoomer sur cette diapositive, je clique sur cette diapositive. Je clique de nouveau pour dézoomer. J'avance. Et je peux aussi revenir en arrière. Encore une fois, je vais zoomer sur le véhicule B et dézoomer. Tout fonctionne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis quant à moi, à bientôt !